Après la pluie qui s'est abattue à Kalemie dans la matinée de ce mardi 16 novembre 2021, les eaux des pluies qui se confondent à un petit lac s'observent sur la route principale de la ville de Kalemie. Chaque fois qu'il pleut dans cette ville lacustre, des boutiques et magasins se voient remplis au dedans et au dehors par les eaux des pluies. Des ordures stagnent ça et là, et certaines d'entre elles dégagent une odeur nauséabonde. Des caniveaux remplis, les piétons trouvent difficile à traverser et se voient de verser l'eau. De leur côté, les motocyclistes n'ont pas autre choix que celui de rouler dans l'eau pour traverser. Et c'est à cause d'une construction anarchique ou c'est simplement une catastrophe naturelle. Un habitant de la ville de Kalemie propose les éléments de réponse à cette question et implore l'implication des autorités quant à ces. Pour notre état de la route, pour le moment, à mon niveau, je ne trouve pas qu'il y ait des solutions. Parce que c'est un problème qui a déjà dépassé. Même les ingénieurs ont échoué à mon niveau. Ils ont échoué de trouver la solution. Cela est dit à la position, à l'emplacement de notre route par rapport à la position de notre ville. Vous voyez, de ce côté, il y a des montagnes. Et les montagnes qui sont de ce côté déversent la boue sur la route, les déchets sur la route. Et à ce niveau ici, c'est impossible d'empêcher. La solution palliative pour le moment à mon niveau, c'est mettre le cantonnage manuel en permanence. Qu'on engage les gens qui seront là uniquement pour cette situation. Dès qu'il y a pluie, ils sont là pour déboucher, pour enlever la saleté, pour enlever la boue sur la route. Il convient de signaler que la saison des pluies n'est qu'à son début.